Bonsoir Céline. Bonsoir, je suis tellement contente. Je suis tellement contente de jouer pour Hémorroïdes sans frontières. Surtout que c'est un sujet qui nous concerne à tous. Même mon mari René est bien embêté avec ça. Là, le couloir à l'antique qui se termine en chou-fleur. Je peux pas manger épicé, sinon on a l'impression de chier de la vaisselle cassée. Le pire, c'est l'été de dos avec son string. On dirait vraiment le partage des 7 âges. Merci beaucoup, Céline, pour ces détails. Et j'en suis sûr, sensibiliseront nos téléspectateurs sur ce fléau que sont les hémorroïdes. Et nous jouons avec notre sponsor, Préparation H, et nous jouons pour 100 euros. Avec une expression à compléter. On dit, un tien vaut mieux que deux. Tu l'auras, réponse A. Tu la prends, réponse B. Tu la sens, réponse C. Tu la suces, réponse D. C'est pas bien facile. Je vais refaire la phrase dans ma tête. Ah tiens, vaut mieux que tu as su, ça sonne bien quand même. Pourtant, faut dire qu'on fait plus bien la chose avec mon mari, René. Il est loin le bon temps, il me posait la tête sur la pierre à évier pendant qu'il me récurait le plat à lasagne. Maintenant, on est passé à la congélation. Même que nous voulons un autre enfant. Seulement, j'espère que cette fois-là, ils décongéleront mieux l'affaire avant de m'introduire dans la grotte miraculeuse. C'était tellement froid la dernière fois que j'ai failli attraper une vulvite. J'avais les grandes lèvres toutes gercées. Je faisais la tchoum du bas. Décidément, vous êtes un livre ouvert. Mais je vous rappelle qu'il va falloir trouver une réponse. Vous pouvez utiliser vos jokers, vous n'avez pas utilisé vos jokers. C'est ça que je m'en vais faire, je m'en vais prendre les jokers. Je m'en vais prendre l'appel à un ami. C'est pas le fait d'appeler ses amis. Et vous avez choisi d'appeler votre ami Garou. Alors nous appelons tout de suite Garou. J'espère qu'il est chez lui ce con-là. Ah. Allô, Garou? Il a raison. Réponse A. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? Alors, on regarde la réponse. Bravo, 100 euros pour les émaux. Et nous jouons maintenant pour un gros paquet de neurones, 1200 neurones. Avec une question géographie. Parmi ces îles, une seule fait partie des îles grecques. Il s'agit de Mykonos, réponse A, Ménopos, réponse B, Hélène Carrère d'Ancos. Réponse C, Tula dans l'os. Réponse D. C'est pas facile. Vu que la Grèce, moi je connais pas bien. À part Venise. Je dirais quand même Somban. Réponse D, Tula dans l'os. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, j'en reviens.